c'est pas trop loin. Eh non, mais on a eu une idée tout à fait similaire. Moi, j'ai enlevé de mon sapin un joli cœur qui me fait penser que bientôt, ce sera la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Vive l'amour. Quel romantique, ce Dimitri. Et là, qu'une soixantaine de au quotidien, c'est ce fait. Absolument, je vous rends compte du jardin du musée du quotidien avec la perruque rouge que Véronique et Sébastien n'ont jamais voulu mettre. Voilà. Ce film, c'est pour moi. Ouais. On est là, toi et moi. Pourquoi t'as fait ça? Ou pourquoi j'ai fait ça? Tu m'as donné mon rêve. Je l'ai demandé. Et je t'ai promis quelque chose en échange. Je ne l'ai pas encore délivré. Toi, t'as gagné, moi, j'ai perdu. À moins que le parcours que tu me donnes est un parcours fait d'embûches où la réponse se donne avant la question. Ah, oui, je fais ça. Maintenant, je comprends pourquoi je fais ça. Ça, c'est la cure de ce que j'ai vu là. C'est mathématique. Ça fait beaucoup de sens pour les gens qui le comprennent. Donc, l'Amérique, la pauvreté, le vol pour bouffer, suivre producteur, acteur, movie star, aller le soir dans les boîtes de nuit, espérant voir une movie star avec les photos, les karatés, magazines de karaté. C'est tout ce que j'avais, moi. Je parlais pas anglais. Mais je m'étais entraîné pendant 20 ans en karaté. Parce que moi, je n'étais pas comme ça. Ça, c'est moi, aujourd'hui. Avant, j'étais maigre, petit, chétif. Et j'ai commencé le karaté, donc le dojo, le respect. On croit les gens quand ils vous disent « Oh, c'est le samouraï. C'est droit, c'est pas le mensonge. » Alors ce mec-là en Amérique, c'est pas la même chose. On vous dit pas « os ». On vous dit, parfois, dans ce show business, « We're gonna fuck him ». Et j'écris aux gens, j'écris au dojo, et j'étais blessé, et j'ai eu beaucoup de wife. J'ai toujours cru à l'amour. C'est dur pour une femme, quand elle a 3 enfants, de dire lequel j'aime le plus. Une mère. Si tu as 5, 6, 7, 10 femmes dans ta vie, elles ont tous quelque chose de spécial. Mais les gens se foutent de ça dans les, peut-être, médias. La drogue. Quand on a tout, on a fait le tour du monde, quand on a fait les hôtels, on est la prima donna du penthouse. De chaque hôtel, dans chaque monde entier, les voyages, on veut quelque chose de supplémentaire. Et à cause d'une femme, parce que c'est l'amour, j'essaie quelque chose, je suis tombé dedans. Vandamme, la bête, le tigre de la cage, l'homme Bloodsport, est tombé dedans. J'étais déchiré, mentalement, physiquement. À un point que je m'en suis sorti. Mais tout ça, c'est là. Qu'est-ce que j'en ai pas fait? Et j'ai vu des gens qui sont plus pauvres que moi. Je lui ai montré le pauvre à riche et je me suis dit pourquoi on n'est pas tous comme ça, comme moi. Pourquoi les privilèges? Moi, je suis un mec comme un autre. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui n'ont pas ce que j'ai, en sachant qu'ils n'ont pas ce que j'ai, et aussi en sachant qu'ils ont des qualités beaucoup plus énormes que moi. C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé avec beaucoup de croyance. Quand on a 13 ans, on croit au rêve. Et même la donner. Mais moi, encore aujourd'hui,
Qu'est-ce que j'ai fait pour cette terre? Rien! J'ai rien fait! Et là, je vais peut-être mourir dans cette poste. En espérant de me refaire ici en Belgique, dans mon pays, dans mes racines. Me refaire et mes parents, me reprendre une santé. Pour regagner, alors j'espère que dans cette poste, il n'y a pas un con qui va tirer la gâchette. C'est con tuer les gens. Ils sont tellement beaux. Mais je prie pour ça, Dieu, aujourd'hui. J'y crois. C'est pas un film. C'est une réalité. Une réalité. J'en ai vu des choses. Je suis né en Belgique, mais je suis un garçon de la terre. J'ai beaucoup voyagé. C'est très difficile pour moi de juger les gens. Et c'est très difficile pour les gens de ne pas me juger, mais de m'accuser.